Le réseau social de Donald Trump affole les compteurs. Number one on the Apple App Store, can you believe that? Pendant plusieurs jours, Truth Social a été téléchargé plus que TikTok ou encore Twitter. La plateforme compte maintenant près de 2 millions d'utilisateurs. Alors, on va essayer de comprendre comment Donald Trump veut se servir de son réseau de la vérité pour revenir sur le devant de la scène. Mais il ne nous reste déjà plus que 2 minutes. Donald Trump, vous savez bien, à la base, c'était un méga tweetos. Il balançait des dizaines de tweets par jour et il était suivi par plus de 80 millions d'abonnés. Sauf que le 6 janvier 2021, le Capitole est envahi et Twitter estime que plusieurs messages de Donald Trump incitent à la violence. Le président est banni et annonce vouloir créer son propre réseau pour retrouver son influence et sa liberté de parole. Le résultat, c'est Truth Social. Truth Social, go out and sign up because that's going to be our voice. Sauf que lancer un réseau, c'est pas simple du tout. Celui de Trump a rencontré de nombreux problèmes techniques et il a quasiment pas été téléchargé sur les premières semaines. Et en plus de tout ça, il faut gérer les adversaires politiques. Joe Biden, tout récemment, a installé un ministère de la désinformation pour lutter contre les fake news. Disinformation board. I mean, I think that's a direct attack on what we are doing at True Social. Mais maintenant, la popularité toute récente de ce réseau pourrait-elle le hisser au même niveau qu'un Twitter? Pour l'instant, le Truth Social, c'est surtout un rassemblement de supporters de l'ancien président. Il n'y a pas beaucoup d'interactions, ni aucune contradiction. Autrement dit, le nouveau terrain de jeu de Donald Trump grandit bien, mais il devrait vite atteindre sa taille maximale. Twitter a été vu comme un réseau qui était un peu vieillissant. Mm-hmm. Ouais. Et en fait, pas les réseaux, ils ont des vies cycliques. En lançant son réseau, Donald Trump souhaitait retrouver un porte-voix aussi puissant que Twitter. Mais dans la réalité, ça semble difficile, malgré la hype que vient de connaître Truth Social. En tout cas, on verra ces prochaines semaines quel est le véritable poids politique de Donald Trump, avec les primaires républicaines en vue des élections de mi-mandat. En attendant, dites-nous si vous pensez que le Truth Social est voué à l'échec, ou s'il pourrait permettre à Donald Trump de faire son grand retour en politique.